nous parle de faire une comparaison entre ce que le peuple insurgé a dénoncé sous l'ère Compaoré et sous la nouvelle gouvernance. Sur ce point, je dirais que les pratiques n'ont pas changé, parce que je dirais que c'est même pire qu'avant. Quand on voit un peu les actions que pose le nouveau régime, ça nous amène tous à nous poser pas mal de questions. Dans quel domaine? Je prends un exemple concret. Vous voyez, vous verrez que Là, après on rentre dans le domaine de la gouvernance vertueuse. Voilà. Oui, voilà. Allez-y, Quand je laissez-le prends terminer. cette gouvernance vertueuse dont on parle, au lendemain de l'insurrection populaire, vous voyez que actuellement dans le gouvernement MPP, il y a des ministres qui étaient députés, qui ont même soutenu la modification de l'article 37, qui se retrouvent aujourd'hui dans le gouvernement. Et ces ministres même ont eu des comportements pas du tout catholiques sous l'ancien régime, qui ont Vous même avez été. quelques noms? Oui, je parle ici de ministre Dabilgou, qui.